À tous, avec un tout petit peu de retard, on s'en excuse. Nous voilà en direct sur 01 TV comme chaque jeudi pour le débrief de l'actualité high-tech de cette semaine. C'est 01 Live Hebdo. Soyez les bienvenus. Jérôme, bonsoir. Bonsoir François, salut à tous, merci de nous rejoindre comme tous les jeudis soirs. Ce soir, nous allons revenir sur cette affaire qui ne vous a peut-être pas échappé cette semaine. Voilà, on coupe le Un son. véritable mini-scandale qui a touché Apple. Y a-t-il plusieurs versions d'iPhone avec des autonomies Et différentes? des puces différentes. C'est un truc de geek, mais c'est passionnant. Ça s'appelle le Chipgate. C'est pratiquement une exclusion en net. On va en parler dans quelques instants. On retrouvera aussi le Zoom Actu de Delphine Sabatier, la directrice de la rédaction de 01. Elle viendra nous parler d'Horus. Si vous connaissez Popcorn Time, hein, ce système qui permet de regarder des films de manière illégale, totalement illégale, mais voici la même chose pour la musique. Voilà. Et puis on retrouvera le Labo 01net, le Labo 01net avec Bruno Cormier qui est d'ores et déjà avec nous. Et avec lui, on va faire un point sur le nouveau smartphone, on va dire flagship de Sony, hein, il s'agit de l'Xperia Z5. Et puis on jettera un œil aussi sur la nouvelle Moto 360, la montre connectée de Motorola. Voilà, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Dailymotion et surtout sur 01nettv.com. C'est parti. Et avant de dévoiler cette affaire Chibier, de la développer avec Éric Le Bourlou, le rédacteur en chef du pôle actu de 01net.com et Bruno Cormier, un mot quand même sur deux choses. Notre question 01net en avance dans une minute, mais auparavant, notre jeu Divacor, on vous offre, vous le savez, dans 01 Live Hebdo, chaque jeudi soir, une enceinte Bluetooth, la Cthulhu 2. L'enceinte élue meilleure enceinte hein, sur le site 01net.com qui vous permet non seulement d'écouter de la musique mais en plus de recharger votre smartphone parce qu'elle a tellement une grosse batterie que derrière vous pouvez brancher un petit port USB et recharger votre smartphone. Cette enceinte, on vous l'offre dès maintenant. Et juste un mot quand même sur notre gagnant de la semaine dernière. On C'est moi. félicite Ah non, Christophe c'est pas moi. Molteni qui a joué avec nous. Christophe Molteni qui a joué avec nous donc sur 01nettv.com qui a répondu à notre petite question. Attention, c'est une question qui vous oblige à regarder 01 Live Hebdo jusqu'au bout, hein. Mais à partir du moment où vous nous regardez, vous avez la réponse, vous jouez et si vous êtes tiré au sort, donc cette enceinte. Bravo à Christophe. On va revenir sur la question du jour tout à l'heure. Je salue Fabien, Théo, Lucien et Yoni qui viennent de nous rejoindre sur Twitter. On vous attend, soyez nombreux, vous le savez. Comme d'habitude, vous pouvez interagir, poser vos questions, faire vos remarques en direct sur Twitter, hashtag 01live. La question orange. Eh oui, une question qui est liée justement à ce scandale de la puce maléfique Oh de l'iPhone. non. On va parler de Chipgate. Les problèmes de batterie de l'iPhone sont-ils graves selon vous? Avec donc cette histoire de puce qui Donc on va différait parler. suivant les Ouais. modèles d'iPhone 6S. Si ça vous a échappé, ce qui est possible, vous allez tout savoir dans un instant. Donc allez-y, si vous êtes au courant, hein, puisque ça a été l'un des articles les plus lus sur 01net.com. Oui, non. Allez-y, on vous attend 01nettv.com pour nous donner votre avis. Justement, on va tout découvrir maintenant de cette histoire incroyable de Chipgate avec Éric Le Bourlou qui est là. Salut Éric, Bonjour. le Bonsoir Eric. rédacteur en chef donc de 01net.com, du Pôle Actu. Et Éric, donc il faut quand même revenir aux bases de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors déjà, à chaque nouveau modèle d'iPhone, un petit scandale, hein. L'année dernière, c'était le Ben Gate, il y a eu l'Antenna Gate. Et cette année, ben voilà, ça a commencé, l'iPhone 6S vient de sortir. Forcément, ben, Ouais. tout le monde s'est un petit peu mis à le tester, à l'essayer. Bon, déjà, on peut plus le tordre. Il est beaucoup plus costaud Il est qu'avant. plus Hein. costaud. Et d'ailleurs, Apple, l'année dernière, avait tout à fait démenti cette histoire Oui. de Ben Gate. Moi, j'ai un iPhone 6 qui est complètement plié. Hein. Et il y en a beaucoup qui sont pliés. Ils se plient très facilement. Donc, il y a 6 ou 6 plus? 6, le dessus de 6, l'année juste. dernière. Ah, le Donc, 6. juste pour revenir là-dessus, quand Parce ça que a tu le été. mets dans ta poche et Je le au mets bout dans d'un ma moment, poche, mais pas arrière. Et il se voilà. plie Il se effectivement. plie. Et il y en a beaucoup qui sont pliés. Ouais. Bref, là, c'est pas le problème de l'iPhone 6S. C'en est un autre. Tout est parti d'un garçon sur Reddit qui a, en fait, avait deux versions de l'iPhone 6S parce qu'il y en a deux, ça faut le savoir. C'est pas C'est pas juste connu. Apple qui fait ça, Ah mais oui. beaucoup de marques font ça. Mais effectivement, Apple,
commercialise un processeur qui s'appelle le A9, dans l'occurrence dans l'iPhone, mais ce processeur est fabriqué par différents fabricants. Il y en a deux en fait, il y a Samsung et TSMC qui ont des procédés de gravure différents, deux usines différentes, et Apple se fournit auprès de ces deux constructeurs. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges qui est unique, hein, c'est-à-dire que c'est le même processeur, qui va faire la même chose, voilà. Mais il n'est pas fabriqué par la même usine. Il n'est pas fabriqué par la même usine, et il y en a un qui est d'ailleurs un petit peu plus grand. Ils ne sont pas exactement pareils. Ils ne sont pas exactement pareils, mais ils ont le même... Samsung est un petit peu plus petit. Moi, artistiquement, je préfère celui de droite. Hein. Je trouve qu'il est un petit peu plus joli. Affiché dans mon salon, il est plus sympa. Tu as raison, parce que c'est le meilleur, si j'ai bien compris. D'accord. Ouais, alors... Ouais, mais bon, c'est mon regard d'artiste, si vous voulez. Alors, donc, déjà, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas ça, mais quand vous achetez un iPhone, vous n'avez pas forcément le même processeur à l'intérieur, même si c'est exactement le même d'un point de vue fonctionnalité. Il n'est pas fabriqué par la même marque, forcément. Et effectivement, alors, quand on a vu cette histoire, nous, on s'est dit, bon, on va essayer de voir s'il y a des différences entre, effectivement, le processeur fabriqué par l'iPhone 6S, dont le processeur est fabriqué par Samsung, et l'iPhone 6S, dont le processeur est fabriqué par TSMC. Donc là, vous commencez tous les tests habituels, etc. Voilà, et en plus, bon, au-delà de ça, effectivement, il n'y a pas que nous qui avions fait des tests. Hein. Il y a notamment un test assez connu, dont Bruno pourrait parler beaucoup mieux que moi, mais qui s'appelle Geekbench, et c'est parti aussi de là. C'est-à-dire que les gens de Geekbench se sont rendus compte que sur leur test précis de Geekbench, il y avait des différences assez notables d'autonomie entre ces deux processeurs. Donc, ça a été, alors il y a eu pas mal de polémiques après, c'est-à-dire est-ce que vraiment le test de Geekbench est suffisamment, on va dire, discriminant pour vraiment considérer qu'il y a une différence. Alors les différences, voilà. Elles sont de combien ? Alors, Bruno va peut-être vous le dire plus précisément que moi. J'ai tous les chiffres. Mais alors, déjà, il y a une différence entre les deux. Mais il y a une différence entre les deux. Et d'ailleurs, Apple, en général, communique très mal sur quand il y a des affaires qui montent comme ça. Là, ils ont communiqué très, très vite. C'est-à-dire que le jour où c'est tombé, le lendemain, Apple a communiqué sur ce problème en disant qu'en gros, oui, il y avait des processeurs différents dans ces iPhones et qu'il y avait toujours, dans tous les appareils électroniques, des petites différences en fonction des processeurs. Mais même sur un même fabricant de processeurs, parfois, vous aurez des différences mineures entre deux processeurs, parce que voilà, ça peut arriver. Oui, et par exemple, pour la petite anecdote, le même processeur qui sort d'une même usine, il sort sur des galettes qu'on découpe ensuite, et en fait il est connu que les processeurs qui sont sur la périphérie de la galette sont un peu moins efficaces énergétiquement que ceux qui sont bien au centre. C'est comme un fromage en fait. Très meilleur, c'est moins bon. D'accord. Bon, bah, maintenant belle vous image. Le saurez hein, quand vous mangerez ce soir votre dîner. C'est un peu comme le fromage. Sauf ça, hein. Eh ouais, non, mais attendez. Si vous voulez des images simples, il n'y a pas de souci. Je suis là, les amis. Voilà, en tout cas, Apple a communiqué sur ce sujet très vite et a en gros annoncé à plusieurs médias que c'était pas très grave tout ça. Il ne fallait pas dramatiser, puisque au final, tout ça ne faisait qu'une différence sur un usage normal de son téléphone. Avec lui, ce qu'il avait Apple, évidemment, quand vous avez acheté un iPhone, vous envoyez plein de statistiques à Apple. Et d'après les chiffres d'Apple, voilà, il y aurait une différence que de 2 à 3% sur l'autonomie. C'est le message d'Apple. Sauf que lorsque on prend les téléphones, qu'on fait des tests bien précis, notamment au labo, on se rend compte que c'est pas tout à fait la même histoire. Non, c'est pas tout à fait la même histoire. On en a fait plusieurs et effectivement, on a constaté, hein, Bruno va pouvoir le dire mieux que moi, que il y a quand même une différence notable entre ces deux processeurs. Et effectivement, alors c'est marrant parce que on n'entend pas beaucoup parler de cette histoire. Étonnamment, on a plutôt tendance, on a vu des articles dans la presse américaine qui le démentent complètement, alors qu'en fait, il y a apparemment quand même un petit souci. Et voilà, c'est intéressant de voir que tous ces tests montrent quand même une différence entre le processeur TSMC et le processeur Samsung. Alors, il y a beaucoup de questions. On va rentrer dans les détails de ces tests avec Bruno Cormier, hein, puisque le Labo 01Net a entrepris ces tests. On a pas mal de questions et on nous dit comment savoir, Lucien qui nous dit comment savoir quel processeur on a. Bien justement, je vais demander à JD de nous faire un petit zoom sur l'appli que moi j'ai téléchargée sur cet iPhone 6S Plus qui vous dit eh bien justement quel est le processeur en fait que vous avez. C'est Battery Test Monitor, c'est un truc comme ça. Voilà, il y a il y a un nom de code hein, que vous indiquez. Voilà, il va nous le montrer, Bruno. Alors, le nom de l'appli, si on peut juste. Alors le nom de l'appli, elle est là. C'est pas voilà. CPU identifiant. C'est BMSSM. Ah bon, ouais. Voilà. Alors ça, c'est la méthode simple. Elle est là. Voilà. C'est la méthode facile parce que l'appli est directement disponible sur l'App Store. Donc, alors que CPU identifier, il faut aller chercher l'appli sur le net, il faut aller l'autoriser, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais l'avantage de CPU identifier, c'est que ça permet de faire des statistiques. Et donc tu as lequel alors?
Alors moi j'ai j'ai la bonne puce en fait. T'as la bonne, et eh oui. Parce que d'ailleurs si j'ai bien compris, la puce de Samsung est plutôt sur les iPhones distribués en Asie, etc. Non bah, c'est pas facile non, de faire non, des statistiques là-dessus. Non, hein. En gros évident. C'est un peu du 50-50 et le seul modèle d'iPhone dans lequel il y a eu vraiment une grosse majorité de puces TSMC, donc de bonnes puces, ouais. entre guillemets, hein, c'est les 6S Plus 128Go, donc les plus chers en fait. D'accord. Alors, Apple dit 2 à 3%. Et qu'est-ce qu'on dit du côté du labo? Alors, quel est l'écart entre ces deux versions d'iPhone? Juste avant de vous couper, regardez bien le code qu'il y a après le modèle. Dès qu'il y a un petit M. Voilà. C'est là où tout se joue, en fait. C'est que lorsqu'on a le N66MAP, avec le petit M, c'est la puce TSMC. Et quand on a un grand M, c'est ça, hein, Bruno? Non, quand il n'y a rien du tout. Quand il n'y a rien du tout. C'est N66AP. Voilà. C'est du Samsung. C'est du Samsung. Donc, il suffit de télécharger cette appli pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Donc, maintenant, c'est la bataille des pourcentages. Hein. Alors, on y va. La réponse d'Apple, elle n'est pas fausse. C'est-à-dire que, étant donné que c'est le processeur qui serait responsable des écarts d'autonomie entre les iPhones, il est évident que moins il est utilisé, moins il y aura d'écarts d'autonomie. Apple dit qu'en pratique, on utilise quand même relativement peu son iPhone dans une journée, qui reste relativement souvent en veille. Hein, la plupart du temps, hein, le smartphone reste en veille, même bon. Et donc ils avancent un chiffre, une différence de 2-3% d'autonomie sur la journée, ce qui est pas forcément faux, à vrai dire, pour un utilisateur qui utilise son iPhone de manière assez légère. C'est insignifiant, 2-3%. Bah, 2-3%, on a calculé avec Bruno, ça fait une petite demi-heure, voilà, de différence demi-heure environ, à la fin de la journée. Disons sur 20 heures. Mais le truc, c'est que plus on va utiliser son téléphone, plus on va voir, en fait, on va voir l'écart on va souffrir de l'écart de performance d'autonomie, notamment des téléphones avec un processeur signé Samsung. Alors, nous, on a fait nos tests. On a fait un test, on ne fait pas de test avec Geekbench parce que les tests Geekbench chargent beaucoup trop le processeur, c'est pas vraiment réaliste. Nous on fait un test qu'on a conçu nous-mêmes notamment, qui consiste à simuler une utilisation, une utilisation moyenne du téléphone, oui, c'est qui charge à peu près... Polyvalent, qui fait un peu de tout, c'est ça. Il passe un peu d'appels, il va un peu sur Internet, il lance des applis. Il passe pas d'appels, on en fait un autre test pour passer des appels, mais il fait différentes activités et pour être simple, il charge environ 50% d'un processeur haut de gamme. Il le charge environ à 50% de ses capacités, donc c'est pas non plus un gros test pour cramer un processeur ou quoi que ce soit. Donc, mais on considère que c'est quand même assez réaliste. Certes, par contre, évidemment, à mettre sur le crédit d'Apple, c'est que c'est un test qui consiste à simuler une utilisation continue de l'appareil. Hein. D'accord. Donc forcément, les écarts vont se creuser vu que l'utilisation est continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un smartphone que j'utilise beaucoup de manière intensive, plus je vais m'en servir de manière intensive, plus je vais avoir une différence entre les deux modèles et exactement, des deux puces. Exactement. C'est ça. Mais exactement. Si je m'en sers, on va dire, de manière traditionnelle, parce que la plupart du temps, votre téléphone, il est en veille, là, on verra pas trop la différence. Voilà. C'est ça. Donc c'est pour ça que la réponse d'Apple est tout à fait correcte, hein, en termes techniquement parlant. Il n'y a juste aucun problème là-dessus. Le seul truc, c'est que quand on avance 2 ou 3%, nous, on a des chiffres qui sont un petit peu supérieurs. À mon avis, c'est quand même pas 2 ou 3%, même sur une utilisation, je dirais, moyenne du téléphone. Donc si on peut, est-ce que vous voulez des chiffres? Ah, mais bien sûr. Moi, je vais vous en donner des chiffres. Allez-y, Bruno. Alors, on a notre autonomie polyvalente, donc qui simule à peu près 50% de charge du processeur. On a quand même 14% de différence. Donc une heure de moins pour l'iPhone 6S de Samsung. L'autonomie en lecture vidéo, la lecture vidéo c'est simple, hein, le processeur ne fait rien du tout. Hein. Il y a juste un petit circuit qui accélère le décodage en matériel de la vidéo, le processeur ne fait rien. Donc, et on a quand même une heure d'écart, mais cette fois sur une période beaucoup plus longue, sur 10 heures, on a 9 heures au lieu de 10 heures. Et donc là ça fait plutôt 13% d'écart, mais c'est quand même 13% d'écart.
Et on a une autonomie en surf web. En surf web, c'est pas donc en 4G. C'est une autonomie pareil qui est extrêmement légère, qu'on va bientôt abandonner parce que c'est une autonomie qu'on considère comme trop légère. Mais c'est un simple rafraîchissement d'une page extrêmement basique. Donc le processeur ne fait quasiment rien non plus. On le fait sous Safari, hein, le navigateur qui est parfaitement optimisé pour l'iPhone. Hein. Donc là, pareil, on a encore une heure d'écart, 11h30, 10h30. Donc ça fait 10% de différence. Alors, donc on a quand même des chiffres qui sont quand même largement supérieurs à 2-3%. C'est pas anodin. On n'a pas encore terminé tous les tests. Alors si vous voulez avoir vraiment le topo complet sur l'histoire, il sortira demain sur Internet, sur 01net. On est encore en train de faire des tests là. Voilà. Il nous reste deux tests à faire. Un test en communication vocale, alors là où le processeur ne fait absolument rien, l'écran est éteint, le téléphone est presque en veille, il est juste en train de faire une communication téléphonique. Il ne fait rien d'autre, absolument rien d'autre. Donc là, on va voir s'il y a un écart. Normalement, il doit y avoir très peu d'écart. Mais on est en train là de le tester, on verra ce que ça donne demain. Donc, rendez-vous et demain, on va faire un deuxième test de chauffe, voir si les smartphones de Samsung chauffent plus, les smartphones avec processeur signé Samsung chauffent plus que les smartphones avec processeur fabriqués par TSMC. A priori, ça chauffe plus. Bon, voilà. Bien. Très bien. Rendez-vous demain pour les tests complets. Ouais, juste un mot, on a une question intéressante. On a plusieurs fois la même question. Bruno, est-ce que ça concerne également les iPads? Est-ce qu'on sait si les iPads sont concernés? On n'a pas encore d'infos là-dessus. C'est une bonne question puisque je crois que c'est pas la même puce. C'est une bonne question. C'est la même puce. C'est du Anafix. Voilà, c'est l'Anafix. Voilà. C'est une puce qui est plus puissante encore que celle de l'iPhone 6S. La question est de savoir effectivement l'Anafix. Est-ce qu'ils ont aussi partagé la production de l'Anafix sur les deux usines de Samsung ou TSMC? C'est une bonne question. Honnêtement, on n'a pas la réponse pour l'instant. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette histoire de Chipgate. Pour résumer, en gros. Si vous avez un iPhone, on va dire, avec l'une des deux puces, et si vous l'utilisez de manière, on va dire, normale, hein, c'est-à-dire de temps en temps surfer sur Internet, checker vos mails, etc., passer des appels, vous ne verrez pas trop la différence. Mais en revanche, si vous avez une utilisation intensive de votre téléphone, là, peut-être que l'écart se creuse entre les deux puces. Voilà, donc nouvelle petite affaire qui entoure la sortie d'un iPhone. Maintenant, est-ce vraiment grave et qu'en pensez-vous? C'est la question orange du jour. Eh bien, voici la tendance. Oui, c'est grave à 63% selon vous. Non, 24%, sans opinion, 11%. Donc, c'est quand même pas anodin. Voilà, continuez à voter. On fera le point tout à l'heure en fin de 01 Live Hebdo. Merci beaucoup, Éric Le Bourlou. Et évidemment, on suit cette affaire avec beaucoup d'assiduité. Demain, donc, les résultats complets de tous ces tests. Bruno, tu restes avec nous puisqu'on va te retrouver dans un instant pour le labo avec toute autre chose. Et tout de suite, c'est Delphine Sabatier que nous accueillons. Delphine Sabatier de la rédaction, évidemment, de 01net, directrice de la rédaction. Bonsoir Delphine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Delphine. Alors les majors du disque ont un nouvel ennemi numéro 1. Il s'appelle Aorus. Comment on prononce Aorus? Aorus. Aorus. Et qu'est-ce que c'est qu'Aorus? Je le disais dans les titres tout à l'heure. C'est un nouveau service de musique gratuit, évidemment illégal. Et donc, ça y est, la guerre est déclarée. Aorus Wanted, je pensais le nouveau cri de guerre des majors. Donc effectivement, c'est un peu un Spotify finalement, avec de la musique en streaming, gratuite. La différence, c'est que tout ça, ça circule absolument librement, sans publicité et surtout sans rien dire à personne. Il n'y a pas de reversement de droits d'auteur, pas de demande d'autorisation de diffusion. Alors le concepteur, Vidorus, il jure que son produit est tout à fait légal puisque il puise dans des catalogues qui sont disponibles gratuitement sur le web. Alors ici par exemple YouTube, bon il oublie qu'il enlève les publicités au passage par exemple. Alors il y a autre chose, c'est qu'il semblerait aussi très probablement que son site soit davantage alimenté par un site pirate russe. Voilà, petit détail qui n'a pas échappé aux majors, apparemment. Bon, et c'est ce que dénoncent d'ailleurs les majors qui portent plainte hein, contre Aorus. Exactement, elles n'ont pas attendu longtemps. Le service il s'est lancé dans la nuit de samedi à dimanche. Ah oui. Et voilà.
Voilà, trois jours plus tard, le concepteur de Rust recevait une jolie plainte de la RIA. Sony, la Warner et Universal se sont unis pour demander déjà 3 millions de dollars juste en trois jours. Hein. Ça marche par morceaux diffusés. Ils sont rapides. Voilà, eux, ils dénoncent un modèle économique. Pourtant, tout est gratuit, mais ils dénoncent un modèle économique qui s'appuie sur la violation de la propriété intellectuelle de manière massive. Pourquoi ? Parce que son concepteur sera en train de se fabriquer une magnifique base de données clients éventuellement monétisable plus tard. Et puis, je disais tout à l'heure, effectivement aussi, ça s'appuierait sur une source non pas légale, mais bien pirate. Bon, donc en fait, on peut penser que l'affaire est pliée, quoi. Ça ne va pas traîner. Hein. Oui, c'est vrai que ça semble un peu plié, sauf que le concepteur n'a pas du tout peur, il n'est pas effrayé. Sur son compte Twitter, il a dit « on va se battre et on va gagner, allez les gars, on y croit ». Alors, selon lui, surtout, son seul crime, ce serait d'enfin avoir rendu disponible et accessible à tous les internautes l'offre disponible gratuitement par ailleurs. Donc il estime que voilà, c'est un service qu'il rend et que son système n'interdit en rien la rémunération des artistes. Il dit même que il pourrait proposer un truc qui est très minime. Qui s'appelle Protype, qui permet de faire des dons. Cool. Alors on peut donner $1 par exemple à l'artiste que l'on souhaite soutenir. Ouais. C'est très sympa. Donc ces arguments pour l'instant sont quand même assez légers. Par ailleurs, le service n'est pas super complet. Je ne suis pas sûre que ce soit tout de suite un carton. Mais enfin, je rappelle que la dernière grande guerre des majors contre un service similaire, elle a pris plus de 8 ans. Donc mine de rien, ça peut être long. C'était contre Groove Arc, oui, qui a fini par fermer sous la pression. Voilà. Et puis rappelons que Popcorn Time, lui, malgré toutes les menaces qu'il a eues, existe ça toujours. Hein, voilà. Alors après, il y a toujours des dérivés, versions dérivées qui sortent, avec plus ou moins de génie quand même. Hein. C'est pas toujours. C'est fou, c'est toujours la même histoire qui s'écrit. Hein. Exact. C'est Napster qui recommence. Tout à fait. Hein. Effectivement. Merci beaucoup Delphine. Merci Delphine. Delphine Sabatier, directrice de la rédaction de 01net. Le labo 01net dans une seconde. Et on retrouve Bruno Cormier qui ne nous a pas quitté, qui est toujours là. Bruno, Rebonsoir Bruno. Avec ce soir un smartphone et une montre, si j'ai bien compris. Voilà. Alors on commence par quoi ? Comme vous voulez. Allez, on va commencer par la montre. Allez. Alors la montre, on en avait déjà un peu parlé la semaine dernière, mais on ne l'avait pas complètement testée encore. C'est donc la deuxième version de la Motorola, Moto 360. Elle s'appelle toujours Moto 360, hein, d'ailleurs, c'est très difficile. Pourquoi pas ? On est obligé de l'appeler nouvelle Moto 360. Alors là, elle démarre. Hein, là, elle démarre. La première Moto 360 qui, franchement, a marqué quand même un tournant dans, dans le monde des montres connectées. On s'en souvient l'année dernière. Hein. C'était la première montre, on va dire sexy, jolie, etc. Oui, c'est la première montre. Bon, moi, je trouve toujours un peu grosse. Hein. Voilà. On se rapproche du micro, Bruno, parce qu'autrement, on n'entend rien. Oui, c'est la première montre qu'on aurait voulu s'acheter. Je dirais que même la nouvelle Moto 360 reste quand même la plus belle montre Android Wear pour l'instant. On attendra celle de Huawei Et qui est plus chère aussi, visiblement. Oui, qui est plus chère, ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a de nouveau, cette Moto 360, par rapport à la précédente ? Alors, qu'est-ce qu'elle... En termes de design, la principale nouveauté, c'est l'attache du bracelet, qui est cette fois une vraie attache de montre. Elle est en métal et elle est vraiment en prolongement du boîtier, alors que l'attache de montre du premier de la première Moto 360, vous voyez, c'est un peu du bricolage en plastique, c'est pas terrible quoi. Voilà. En termes de solidité, je suis pas donc très elle est sûr, mieux finie, on va dire. Et ça veut dire qu'on peut mettre un bracelet traditionnel dessus. On peut en plus mettre un bracelet traditionnel en dessus avec une attache. Enfin, le bracelet est très facilement détachable, donc ça, c'est vraiment la bonne idée quoi. Voilà. Oui, Bruno. Et donc, bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau techniquement, c'est-à-dire que l'écran est aussi lumineux, il y a même luminosité, quand même une forte luminosité, 540, donc c'est 540 candélas par mètre carré, c'est largement suffisant pour du soleil. L'écran a une meilleure définition. Alors ça se voit quand même bien. Il a une petite bande noire. Alors vous voyez hein, cette bande noire là qui fait beaucoup jaser chez les utilisateurs. Hop. Ouais. Ben, cette bande noire, elle est plus petite. Elle est beaucoup plus petite que la précédente. C'est-à-dire qu'ils ont partiellement réglé le problème. Ouais, partiellement. Elle est plus fine. Elle fait 1 mm de moins environ. Mais, alors le boîtier aussi.
en termes sur l'épaisseur du boîtier, fait environ 0,5 mm de moins que la première. Mais alors le problème, c'est qu'en termes de design, vous voyez les rebords de l'écran, ils ont augmenté, la taille a augmenté de 0,5 mm de chaque côté, donc ça fait que le boîtier est 1 mm plus large. D'ailleurs, on dit que c'est une montre 46 mm, mais en fait, le boîtier fait 47 mm, alors que celle-là fait un peu moins de 46 mm. Donc finalement, en fait, en termes de design, oui, c'est beaucoup, ça ressemble plus à une montre, c'est beaucoup plus au point, avec notamment la tâche de boîtier, mais le design est moins subtil, il est finalement de face, il est un petit peu plus fin chez la première Moto 360. C'est-à-dire que le millimètre de plus se voit. Ah oui, ça se voit. D'accord. Ouais, ça donc se voit. On voit des considérations horlogères maintenant dans Zéro Live. Et oui, et voilà. Bon, bon alors, quelle est la nouveauté aussi de cette Moto 362? C'est qu'elle est, son écran reste tout le temps allumé, en fait, en permanence, alors que. Ah oui. Voilà. Alors que la première, en fait, on avait une option d'écran de veille activé, mais ouais. Quand on baissait le bras, la montre s'éteignait quand même. Oui, c'est ça. Et quand on la remonte avec le détecteur de mouvement, elle s'allume. Donc, mais ça nuit pas à l'autonomie, ça ? Si. Alors du coup, c'est difficile de comparer l'autonomie des deux montres. Mmh. Mais en gros, l'autonomie est assez instable sur celle-là. On a fait des journées où à 22h, il fallait absolument courir la recharger. Donc entre 8h et 22h, donc c'est vraiment largement insuffisant. On a fait des journées où elle dépassait minuit. Mmh. Alors que la première Moto 360, honnêtement, elle va jusqu'au petit matin facilement. Donc... c'est un peu... Mais là, c'est une régression, on va dire. Voilà, mais c'est une régression, mais l'écran est tout le temps allumé. Donc, d'accord. Vous voyez, c'est un genre de compromis qu'il faut refaire. Voilà. En gros, le problème, en fait, de ces montres connectées, même si elle est très belle et que, effectivement, on peut, en plus, le fait de pouvoir la personnaliser sur Motomaker, maintenant, c'est quand même assez sympa. On peut faire des montres vraiment sympathiques. Oui, sur le site, on peut choisir la couleur. Ouais, c'est très sympa. C'est cuir ou métal, etc. Ouais. Et le prix? Alors, c'est du 300 €, ça va jusqu'à 400 € je crois en fonction des personnalisations. Alors tu disais le problème c'est quoi? Alors le problème c'est Android Wear. Ah oui. Hein, c'est Android Wear. Honnêtement, bon moi Android Wear, j'ai une montre d'Android Wear depuis plusieurs mois maintenant et honnêtement le logiciel est pas du tout au niveau. C'est pas sympathique à utiliser, c'est pas agréable à regarder, on n'a pas envie de se plonger dans l'interface de la montre. Ça répond pas génialement. C'est l'ergonomie, des fois, on comprend même pas. Enfin, c'est ridicule. Quand on a une notification, on peut la lire. Quand on a plusieurs notifications, on peut plus les lire. C'est plein de petits défauts comme ça. C'est tellement ridicule. On a l'impression que c'est encore une bêta, quoi. C'est ça ? Oui. C'est Android Wear, mais ça va pas du tout. Il faut absolument que Google se bouge et fasse quelque chose de vraiment agréable à utiliser. Quelque chose qu'on a vraiment envie d'utiliser, en fait. Très bien, ça c'est pour la Moto 360 nouvelle génération. Et maintenant, le Z5. Des téléphones sans doute les plus beaux du moment, en tout cas les plus, on va dire, haut de gamme. Il s'agit du nouveau Sony, le Z5. Alors haut de gamme, vous l'avez dit, hein, 700 €. Alors 700 €, c'est un très beau téléphone, effectivement. Alors c'est le style Sony un peu, hein, c'est assez anguleux. Moi personnellement j'aime bien. Aux générations précédentes. C'est juste un peu affiné, c'est amélioré, c'est plus joli. Honnêtement, c'est plutôt réussi. Cette fois-ci, on a mis on est passé à quelque chose de mat. Donc, du coup, c'est quand même beaucoup moins sensible aux traces de doigts. L'écran est toujours excellent, très lumineux, avec des très beaux rouges. Comme vous pouvez le voir là, c'est toujours très réactif et tout. Mais, ces téléphones, pour 700 €, honnêtement, on a des téléphones largement mieux. Pourquoi ? Déjà parce que il a du Snapdragon 810 à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. C'est que ce Snapdragon 810, c'est le cauchemar de Bruno, ça, le Snapdragon. Il va falloir. C'est que de temps en temps, il se réveille la nuit. Snapdragon. Voilà, il va falloir absolument que Qualcomm passe au 820 le plus vite possible, même pour le bonheur des testeurs, s'il vous plaît. Ça chauffe trop. L'autonomie est pas géniale. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, honnêtement, ce Snapdragon 810, il y a rien à y faire, quoi. Bon, l'autonomie est pas assez bonne. Si, par contre, il explose un record d'autonomie en communication
vocale, donc quand le processeur n'est pas du tout utilisé, on en parlait tout à l'heure, il fait 27 heures en autonomie vocale, ce qui est absolument génial. Mais alors, dès qu'on commence à l'utiliser, c'est pareil. Hein. Ça chute énormément, ça chauffe beaucoup. C'est dommage. En photo aussi, alors on a un laboratoire français connu, spécialiste des optiques, qui a très bien noté ce smartphone, mais alors nous on constate qu'en pratique c'est pas du tout le cas. Les photos ne sont pas du tout à la hauteur des photos d'un Galaxy S6, d'un iPhone 6, d'un LG G4. C'est rigolo comme des fois les tests à la hauteur se contredisent comme ça. Hein. Non, mais là je veux dire honnêtement, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. J'ai regardé le test, j'ai mis des images, elles ne sont pas trafiquées. J'ai mis des images, vous pouvez comparer vous-même, vous verrez le problème. Il y a un problème de retouche d'image qui est absolument problématique, on va dire. Bon, ce Z5, donc. Ce Z5, il est très beau, il est très sympathique, mais pour 700 euros, on va plutôt s'acheter un autre appareil. Hein. Ça n'arrange pas les affaires de Sony, hein, qui on sait, Sony Mobile ne va pas très très fort. Oui. Mais ils sont très bons dans la photo, ils sont très bons dans les télévisions. Bon, voilà. Ouais, mais dans les mobiles, c'est plus compliqué. Hein. Ouais, mais le problème, là, c'est que toute leur génération 2015, Xperia Z3 Plus et Xperia Z5 a été handicapé par le Snapdragon 810. Voilà, encore. Ouais. Regardez comme un choix stratégique technique peut mettre à mal véritablement toute une industrie. Merci beaucoup Bruno Cormier. Merci. Bruno Cormier, donc, vous le savez, accident, journaliste du Labo 01net. Il est tombé de sa chaise. Il a perdu sa... Il a une hémorragie là en ce moment, Bruno Cormier. Mais regardez jusqu'au bout, tel le capitaine d'un bateau qui coule, il tient bon. C'est ça aussi. Jusqu'au bout, il sourit. Salut, bon. Chapeau l'artiste. Le show must go on, comme on dit. Ouais. Bon, Jérôme. Ce sera le mot de la fin avec Bruno. Oui. Si on accepte, allez, un petit tour du côté de la question orange. À propos du chipgate, aujourd'hui, on vous demandait ce que vous en pensiez. Est-ce que, selon vous, c'est important, cette histoire de batterie différente selon les différentes versions d'iPhone? Eh bien, oui, selon vous, à 68%. Non, à 20%. Sans opinion, 11,5%. Voilà, et pour terminer, toujours cette enceinte Bluetooth DivaCore Cthulhu 2 a gagné. Quel est le smartphone que Bruno Cormier a présenté là, il y a quelques minutes, en toute fin de ce 01 Live Hebdo de ce jeudi? Quel est le smartphone qu'il a présenté? Il a encore en main, voilà, pour tout vous dire. Alors, vous pouvez nous donner la bonne réponse sur 01nettv.com. Et si vous êtes tiré au sort, cette enceinte Cthulhu 2 est à vous. Bonne chance. Voilà, c'est la fin de ce 01 Live. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-David Duarte, Florian Beaufreton et Jérôme Giliberto qui étaient aux manettes ce soir. Merci François Sorel. Oh, merci Jérôme Colombin. Et on se retrouve bien sûr demain pour toute l'actualité high-tech, bien évidemment. Portez-vous bien d'ici là. Bonne soirée. Salut à tous.